reçu pour Noël 2014. Ce Noël-ci, j'ai vraiment été très gâtée par ma famille, par beaucoup de monde aussi. Donc je tiens tout de même à remercier ma famille et tout le monde pour tous ces beaux cadeaux que j'ai reçus. Il y a des choses, je m'y attendais forcément parce que voilà, je les avais méritées forcément. Et voilà. Donc on commence tout de suite. Dans mes cadeaux de Noël, j'avais reçu ce que j'avais reçu et en même temps j'avais eu de l'argent. Donc avec l'argent, j'ai acheté ce dont je voulais. Et j'avais acheté cette paire de bottines que je voulais depuis un très bon bout de temps parce que je les trouvais super jolies. Et elles étaient noires, donc elles sont en cuir. Voilà, je les trouve super belles, elles sont simples et elles s'accordent avec tout. Et je les trouve super jolies. Après, voilà, là en dessous, c'est avec des crampons, on dit, je crois. Et elles sont vachement sales en dessous parce que je les ai énormément utilisées. Mais je les trouve super jolies. Ensuite, la chose, c'est ça. La chose, c'est ça. Le truc qui mesure 1 mètre, je sais pas combien, 1 mètre 2, je crois. Et je l'ai enfin eu. Donc, c'est ma longboard. Donc, voilà. Donc je suis trop contente de l'avoir reçue et voilà, voilà quoi. Donc c'est une Oxelo. Donc pour ceux qui me demandent, une Oxelo, je la trouve vraiment mais super belle. Je m'en fous de la marque, franchement. Pour débuter, je trouve que c'est le top. En ce qui concerne des roues, c'est des Oxelo aussi. Je les trouve super bien. Elles sont, les roulements sont top. Parce que je l'ai essayé dehors et tout. Et vraiment c'est super bien. Par contre j'aime bien le design. C'est-à-dire par rapport où il y a des traits en bois, je trouve que ça donne un côté super joli. Et au niveau de l'arrière, ça donne ça, ça fait un remonté comme ça. Enfin, j'aime beaucoup en fait. Donc je la trouve super belle et je suis contente de l'avoir reçue. Les trucs sont pas mal, ils ont l'air d'être... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont bien tenir. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment super bien. Ensuite, encore avec l'argent que j'ai dépensé, j'ai acheté un jean, donc un jean noir comme ça. Voilà. Et ça en fait c'est une sorte de treggings malgré qu'il est sale. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi du tout. Bref, c'est pas grave. Donc en dessous il y a une petite fermeture. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et je trouvais super beau, donc je dis je le prends, sachant que j'ai pas assez de jeans, donc voilà. Ensuite j'ai acheté une sorte de sweat comme ça que je voulais depuis très 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 longtemps. J'en avais eu un auparavant en rouge et j'aimais pas trop, je voulais quelque chose de noir. Enfin, je voulais couleur noire, bon, malgré que je l'ai pas mal utilisé donc il est un peu sale. Voilà, donc il y a une petite capuche derrière, j'aime trop, enfin je trouve ça super classe. Et voilà, et il y a des petites lanières devant blanches. Et voilà, je l'utilise super simple mais il est super pratique. Ensuite j'avais pris un débardeur bordeaux que je trouvais vraiment super beau et puis pour changer je voulais prendre celui-là, donc je le trouve vraiment super bien. Et voilà, je vous mettrai sans doute une petite tenue par ici où je mettrai une petite photo où j'ai une tenue avec ma petite jupette que je vous montrerai maintenant. Donc la petite jupette c'était ça, elle fait un peu volant, je la trouve magnifique. Donc je l'ai portée pour le nouvel an et le réveillon du nouvel an et de Noël. Donc elle est vraiment top, je la trouve super bien, je vais mettre dans la tenue ici. Et ce qui est bien c'est qu'il y a une petite fermeture éclair derrière, donc c'est vraiment top. Donc après elle tient bien chaud, enfin moi franchement j'ai pas eu froid avec. Ensuite avec cette tenue là j'ai eu un petit gilet comme ça. Alors je trouve les symboles plutôt cool en fait, mais je voulais surtout une grande veste qui peut tout le temps servir au cas où ça ne veut pas prendre sa grande veste pour aller dehors. Je trouvais ça super joli et tout, il est grand et j'aime beaucoup en fait. J'aime bien le style que ça fait et voilà. J'ai aussi pris une sorte de crop top, je sais pas comment on dit ça. Et il y a des petites étoiles sur les manches. Je trouvais ça super beau. Sachant que le jaune, je voulais essayer et vraiment je le trouvais super joli, donc je le prends. Donc dessus c'est marqué Nobody. Voilà. Ensuite pour ce qui est des cadeaux que j'ai reçus, donc j'ai reçu nos étoiles contraires par ma petite sœur. Donc voilà, je le voulais depuis un bon moment, donc c'est nos étoiles contraires de John Green. Je trouve que déjà j'ai vu le film et je trouvais vraiment magnifique, donc je me suis dit pourquoi pas prendre le roman. Vraiment je suis rendue à la page 47 pour le moment
Et voilà, je tiens à le terminer quand même parce que je trouve cette histoire magnifique vraiment. Ensuite aussi je me suis acheté un petit mignon parce que je le trouvais vraiment trop mignon. Et j'ai acheté un mignon parce que je le trouvais trop mignon. Mais enfin, voilà, je l'avais acheté parce que je le trouvais vraiment... Bah voilà, je sais plus quoi dire comme mot du coup. Bon, il est mignon, voilà. Donc j'ai reçu deux vernis par ma soeur, donc c'est deux techniques. J'ai le Strawberries et Cream, donc celui-là. Je trouve la couleur vraiment magnifique. Et j'ai eu le technique, donc c'est Pretty Pastel, et c'est la couleur Picnic. Et ensuite j'ai eu par elle aussi un rouge à lèvres, donc c'est le rouge édition et c'est de chez Bourjois. Je trouvais, c'est un rose comme ça que je trouve vraiment super joli. Donc c'est le numéro 35. Vraiment je trouve celui-là, donc j'en voulais un mat et je le trouve super joli. Ensuite je me suis acheté un petit collier comme ça en chaîne. Gris comme ça avec des petites sortes de diamants là. Ensuite j'ai eu autre chose donc que j'ai gagné à mon lycée parce que on devait faire c'était une sorte de concours en fait de poèmes qu'on devait écrire par rapport à en s'inspirant des poèmes de Aragon et du coup on devait faire nos propres poèmes et du coup je suis arrivée première sur 100 personnes je crois et du coup j'ai gagné un lot et tout le monde cherchait à savoir ce que j'avais reçu. Alors j'ai premièrement reçu le livre d'Aragon, donc c'est Les yeux d'Elsa. J'ai pas encore lu mais j'avais vraiment envie de l'avoir. Après ça peut s'étonner mais bon voilà, moi je trouvais super classe, je voulais savoir plus de choses par rapport à son histoire. Et voilà, donc je trouve que déjà par rapport avec le titre Les yeux d'Elsa, je trouve que c'est super magnifique. J'avais aussi reçu des chocolats Montbana, mais que voilà, qui sont ouverts et qui se sont un peu étalés partout, donc du coup je vais pas vous montrer ça comme ça. Et voilà, j'avais un peu partagé avec tout le monde quand j'avais gagné. J'avais reçu aussi une place d'entrée gratuite au cinéma, donc pour ça, donc vraiment je trouve ça super cool d'avoir fait un gros lot comme ça, je trouve ça vraiment super gentil. Et ensuite j'avais gagné 15€ chez Majuscule, donc du coup j'en ai profité pour Noël donc pour m'acheter un truc. Donc j'ai acheté Flocon d'amour et l'idée 3 fois de John Green. Donc voilà, je voulais le voir aussi, enfin le lire aussi. Et voilà, je trouve que déjà la couverture est magnifique, elle brille et tout. Je la trouvais trop classe. Donc avec ça je me suis pris un petit crayon, genre tout simple comme ça, avec un piano. Et là il y a des points noirs et blancs. Enfin, c'est plutôt un fond noir et avec des bandes blanches. Ils m'ont aussi offert un collier comme ça. Il est tout simple, mais je le trouve super classe et je le porte très souvent. J'ai aussi eu une paire de lunettes. Bon, c'est pas vraiment mon style, c'est clair. Mais c'était vraiment super gentil d'avoir offert plein de trucs comme ça. Vraiment, j'y pensais pas que c'était moi qui allais gagner. Mais enfin, voilà, c'est super gentil de m'avoir offert tout ça, voilà. Et donc du coup je pense que je vais peut-être donner à ma soeur ou je sais pas quoi. Et avec le lycée, vu que je suis dans un lycée pro, on cuisine souvent et il y a une classe qui avait fait, je crois, du beurre salé. Et du coup on m'a offert un beurre salé comme ça et il y avait une sorte de petit ruban violet, violet clair qui était avec. Mais du coup je l'ai enlevé et j'ai goûté et vraiment c'est super bon, il m'en reste encore du coup. Mais vraiment c'est super bien fait, je sais plus quelle classe c'est du coup, je sais plus du tout, mais en tout cas c'était super gentil de m'avoir fait plein de choses. J'ai été vraiment gâtée pour ce Noël, donc voilà, je remercie tout le monde, voilà, que j'ai tout reçu, voilà, ma famille et tout blabla, tout le lycée aussi, parce que bon, ils m'ont offert plein de choses et vraiment c'est extra, enfin je suis super contente tout ça. Donc voilà tout le monde, j'ai terminé cette grande vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue et voilà. Et aussi dites-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu pour Noël, moi j'aimerais bien savoir, je vous ai posé des questions sur mon Twitter et mon Facebook et j'ai pas trop reçu de commentaires, donc voilà, vous pouvez me dire, vraiment ça m'intéresse de savoir parce qu'on a peut-être eu des choses en commun, je ne sais pas. Et voilà, aussi je vous souhaite une bonne année et surtout une très bonne santé aussi parce que c'est vraiment important, on n'y pense pas souvent mais c'est parfois important. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne année, en tout cas meilleure que 2014. Voilà, j'espère que vous réaliserez vos rêves et que voilà, tout se passera bien. J'espère en tous les cas, surtout que voilà, vous viviez vos rêves malgré les embûches que vous allez percevoir dans votre chemin.
En tout cas, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.